Waouh, c'est avec joie et bonheur, beaucoup de bonheur que je fais cette vidéo. Vous devez la partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est extraordinaire. Ah! Il n'y a pas longtemps, nous avons informé que cette star, le numéro 1 de la gente féminine dans le coupé décalé, a accepté le Seigneur Christ. Elle-même, elle a dit à tout le monde le 14 septembre à son concert qu'elle renonçait à la musique profane pour la musique où elle va adorer Dieu en esprit et en vérité. Ah! Est-ce que c'était de la blague? Est-ce qu'elle rigolait avec nous? Apparemment, elle avait raison. Ce qui est sûr, dans cette vidéo, nous verrons quelques captures que des gens ont fait, nous montrant que cette star déjà a commencé à chanter à la gloire de Dieu. Ouh! Je suis même impressionné! Bon, nous devons voir ça. Mais avant d'aller plus loin, vous devez partager cette vidéo et suivez-nous. Nous allons d'abord voir comment elle était avant et comment ça s'est passé, et ainsi de suite. Et vous verrez comment Dieu change les gens. C'est extraordinaire! Aïe, 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 aïe! Et c'est même de la joie! Allons-y, c'est parti. Bien. Comme vous le voyez à l'écran, regardez. C'est écrit la nouvelle vie d'une star. La nouvelle vie d'une star. Elle était à ce niveau, regardez. Elle était à ce niveau. Et désormais, elle passe de ce niveau jusqu'à ici. Elle aime les cheveux. Elle est voilée. Comme vous le voyez, elle est voilée. Chez nous, on doit se voiler quand on est en présence de Dieu. Un grand respect pour le Seigneur. Regardez-moi comment elle est habillée. Ça se voit qu'il y a quelque chose qui a changé. Ah! Franchement, si elle continue comme ça ne m'étonnerait pas que Dieu commence à la bénir aussitôt. Que Dieu lui donne beaucoup de courage. Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce changement? Jetez un coup d'œil un peu ici. Ouh, qui est-ce? On va fermer ça rapidement. Ok. Là, nous sommes ici, là où elle était. Regardez vraiment très bien où elle était. Est-ce que vous avez même chaud? Elle est vraiment une belle femme. Et là, c'était dans le passé. Écoutons. Voici ce qu'elle faisait dans le passé. Comme vous le voyez, cette personne ici, c'est son ami. Malheureusement, il a rendu l'âme le 12 août dernier. Et son départ a vraiment touché cette femme. Et lors de son concert, elle a eu à parler de beaucoup de choses avant de nous annoncer son départ. On va dire sa nouvelle naissance. Écoutons-la. Je ne veux pas plaire à quelqu'un, je veux plaire à Dieu. Vous avez entendu ça? Et elle est même chose, elle est même prête. Et elle a décidé apparemment de commencer. Et des gens ont déjà eu des premières vidéos d'elle s'entraînant. On peut dire qu'elle a commencé, voilà, l'entraînement a commencé. Et ça devient très intéressant. Regardons ça. On va mettre le volume. Voilà.
Comme vous la voyez, elle est en train de chanter. Elle dit que son papa est fidèle. Et elle est dans la joie de le louer. Vous voyez la différence? La différence est de taille. Hein? Regardez. La différence est carrément de taille. Vraiment, Dieu transforme vraiment. Waouh, elle est carrément bien habillée, bien. C'est extraordinaire. Elle dit que son Dieu l'a libérée vraiment et vraiment Dieu l'a libérée. Que Dieu lui donne beaucoup de force, beaucoup de vie et qu'elle continue toujours ce qu'elle a commencé. Au départ, elle était à ce niveau. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ah, c'est extraordinaire. Bon, moi, je suis dans la joie. Hein? Je suis trop content. Quand nous travaillons dur, c'est pour permettre aux gens d'abandonner leur mauvaise voie et revenir sur le bon chemin. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire. Je suis même content. Je suis même dans la joie. Parce que même nous donne beaucoup de force même à pouvoir encore bien travailler pour sauver des âmes. Une vidéo va apparaître ici. Regardez-la. Vous serez même surpris parce que vous allez voir. Nous venons de nous réveiller. Non, on s'est réveillé il y a très longtemps. On a l'impression que c'est maintenant que les choses se commencent. Est-ce que vous avez même chaud? Est-ce que vous êtes même prêt? Partagez cette vidéo et dites-lui beaucoup de courage. Et juste un petit conseil. Tu es déjà chanteuse professionnelle. On ne peut pas te donner trop de conseils. Mais ce que je peux te dire, juste pour t'orienter un peu, c'est que quand on chante à la gloire de Dieu, on chante vraiment avec son cœur. C'est Dieu lui-même qui t'inspire. C'est Dieu lui-même qui te donne la chose. Tu ne forces pas. C'est comme tu es là, comme ça, tu es assise et tu entends des voix ou bien une inspiration vient. Tu commences à toucher les instruments et tout de suite, une chanson naît. C'est une adoration. Juste pour dire à Dieu combien de fois il est grand. Et juste pour expliquer ce que Dieu a fait pour toi. Dans son cas, elle va commencer par expliquer ce que Dieu a fait pour elle. Ça veut dire que ce sera son témoignage qu'elle va raconter. Et à partir de son témoignage, les gens vont commencer à comprendre d'où elle est sortie, d'où elle vient et comment c'est passé. Certains vont croire, d'autres ne vont pas croire. Il y aura forcément des persécutions. Mais ce sont les persécutions là mais qui vont justement l'amener à la gloire. C'est comme ça, ça marche chez nous. Est-ce que tu es même chaud? Est-ce que tu es même prêt pour la prochaine vidéo? Si tu n'es pas abonné, abonne-toi maintenant et partage cette vidéo. Laissez beaucoup de j'aime pour l'encourager. Quand elle sera dépassée et qu'elle tombera sur cette vidéo, franchement, elle saura que vous l'avez soutenue. Et vous? À quand votre tour? On vous attend. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire maintenant. C'est parti. C'est l'heure de se décider. Monsieur, même choix y aller. C'est parti. Let's go.